Bonjour à tous et bienvenue à Los Angeles. Ce matin, on est parti à 6h pour avoir le Hollywood Sign avec le lever du jour. On s'est vraiment chauffé parce que normalement le programme commence vers 9h. Et je vais vous présenter mes acolytes. Enchantée mesdames. Léa Marista. Présentez-vous. Laura Star. Waouh, non c'est Lolo Star. C'est comme ça que je t'ai surnommée. Pardon. C'est trop beau. Before the sun goes down, it's what you do. Un petit room tour de la chambre. C'est une petite chambre avec un petit sac Los Angeles d'accueil. Ok, très grande douche, des toilettes très fancy. J'ai changé de tenue pour aller sur Hollywood Boulevard. Je voulais un truc un peu plus street, un peu plus... Enfin, c'est pas vraiment street en fait, c'est un blazer avec des... Bref. Comme ça là, elle va détecter mon visage et là regarde, je vais m'enfuir, elle va me suivre partout. C'est-à-dire quand je peux aller très vite et en fait elle va savoir où est-ce que je suis, elle va me suivre, tu vois. Allez, c'est hyper pratique pour les plans loin. Mais oui, pour les plans loin et quand t'es tout seul en fait. On dirait l'hôtel Cortez dans American Horror Story. Ouh, j'adore. Tu peux embrasser le doigt. Faire un peu nid, mais oui, je voulais faire un nid. You have to pay for it. I don't know. On va aller au Warner Studio juste après. Et voilà, c'est déjà un très bon programme aujourd'hui. Quoi? Attends, tourne. Je tourne la bestiole. Attends, là c'est le tourner. Qu'est-ce que... Oh, Hollywood. We were there today, this morning. Bah voilà, j'ai trouvé mes tenues pour Tomorrowland. Quand elle fait du shopping, du coup, tellement il l'attend, bah voilà, comme ça que ça termine. Ça, c'est un restaurant italien dans lequel, en fait, si tu veux travailler dedans, tu dois savoir chanter parce qu'en fait, bah, les serveurs, ils servent et ils chantent. C'est incroyable, c'est le Miss Elis Pizza. Voilà, je voulais vous le dire parce que l'histoire est trop cool. Après une petite pause à l'hôtel, le Warner Studio, pour aller voir les studios de films, tout ça. J'ai très hâte, je commence à avoir le coup de barre qui commence à se faire ressentir. Je crois qu'en France, il doit être genre entre minuit et 1h du matin, du coup là, ça commence à se ressentir. Mais tout va bien se passer, on va assumer la journée. Je sais pas ce que j'ai perdu le chargeur de ma petite caméra, genre le cordon. J'espère que je vais le retrouver. Ça fait genre 30 minutes que je le cherche dans la chambre et j'ai pas retrouvé. Ça se trouve, je l'ai perdu en chemin, genre je l'avais mis dans mon sac et j'ai sorti et il l'a perdu. Mais bon, heureusement j'ai une batterie externe de ça et au pire je me rachèterai un petit cordon. Un film qu'on appelle Annabelle et la création du mal, la poupée là. Ah ouais, voilà. Donc c'est là. C'était là. Gilmore Girl. Oh, l'hôpital de l'urgence. Ah oui, c'est les robes de Barbie. Barbie a fait plus de 1 milliard de dollars en 4 semaines. Numéro 1 depuis que Warner existe. Waouh, waouh, waouh. 10 km de vêtements, 3 km de chaussures. Oh, bah les voilà! Incroyable! C'est là qu'ils ont fait Barbie! Ouais, à cause de Barbie! Waouh! Incroyable! Je ne vais pas trop vous en montrer pour pas vous spoiler, mais cette visite est incroyable! Incroyable! Je suis comme une gosse, on voit tellement de choses! Et c'est on a tellement de rêves, c'est fou! C'est le décor de Young Sheldon. Ils ont tourné ça il y a un mois, il n'y a rien dedans, c'est pas une maison. Tu filmes, ouais. Hop là, il me trouve et alors là, attention, il va me... Oh, et je peux poser suit. Là et il me suit tout le temps, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, donc je peux faire mes choux tout seul. Est-ce que vous reconnaissez ce canapé? Placard sous l'escalier. Waouh. Godfrey, ouais. Bonjour à tous, il est 5h
cœur et vu qu'on est des crazy girls, on a envie d'aller voir le lever du soleil à Venice Beach. Du coup, comme d'hab, je vous prends avec moi et je pense pouvoir vous faire de très 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 jolis plans. Et bon, aussi pour ça, faut que je me fasse une tête. On est arrivé à Venice Beach et du coup on va faire la photo de nos rêves à Venice Beach. C'est la photo que de ça, alors regardez, c'est la guirlande juste ici. Et donc je suis toujours avec mes acolytes Léa Marie, It's Venice Beach, Lélia Star, Lolo Star, nous avons Clara Star aussi. Nouvelle star, hein. Avec nous c'est une nouvelle star que nous avons recrutée dans la ville. Non pas du tout, c'est elle qui organise le voyage. Anywhere I'm at, turn the city up. I could flip a dollar to a million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. On vient de rentrer à l'hôtel, on va voir du cheval tout à l'heure, donc du coup j'ai enlevé la petite robe que j'avais et j'ai mis cette tenue là. Un jean c'est toujours mieux, hein. Les cow-boys de toute façon ils portent des jeans, donc j'ai mis un jean et j'ai mis ce petit truc là comme ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien, moi j'adore. Academy Museum, c'est ce qu'on fait juste avant d'aller faire du cheval. Et c'est le musée sur le thème des Oscars, si j'ai bien compris. Donc je vous partage ça. Là, on va faire la Oscar expérience. On va enfin vivre la vie qu'on. Et du coup, c'est quoi? C'est de l'art? Ouais. Vous avez passé de lumière pour la ville. Le musée d'art contemporain de Los Angeles. Ah, c'est un musée. C'est l'ACMA. C'est beau, hein. Là du coup on va aller manger au Farmer Market et j'ai une petite anecdote sur le Farmer Market. La dernière fois que je suis venue ici, et ben, j'ai mangé dans le resto de pâtes de Matt Pokora et il m'a servi des pâtes à la truffe. Je regarde si je vous retrouve des images, mais je vous jure je suis pas une menteuse, ça s'est vraiment passé. Ensuite il m'a fait faire le petit genre la petite idée de The Grove, le truc qu'on va faire en plus après, je vous mets ça tout de suite. On a mangé dans le resto de pâtes fraîches de Matt Pokora. Il a mangé avec nous. Du coup, il est encore là. Il est encore là. Du coup, voilà, lui aussi, il va au concert des Basket Boys ce soir. C'est la folie. Je vous mets une petite photo juste là. Voilà, ce qui s'est passé. C'est passé ça. Je suis en folie. C'est vraiment une visite guidée. Waouh, la vache. Thank you. Ouh, c'est trop cute. Je suis très fan de nourriture asiatique. Du coup, j'ai pris des pâtes au curry et au tofu. Ça va être très très bon. Ça fait au moins 4 heures qu'on marche. Oh, la rando de 4 heures là, j'en peux plus. On est recherche des poneys. 4 hours walking now. On avait oublié ce que c'était de hiking. Le ranch, ah ouais, la gadoue. From Hollywood to Lucky Luke, avec ces deux petites poules charmantes qui se baladent. You're playing your cards with your queen of hearts. Je suis fatiguée, on est marre. Je suis sur le rooftop de l'hôtel et du coup c'est la dernière soirée qu'on fait ici. J'ai très envie de voir à quoi ressemble le coucher du soleil ici. J'espère trop que ça te plaira. Un petit blazer, un petit haut noir, un petit leggings, un petit nœud et tout pour aller au restaurant. Il est 18h30, on va manger à 19h, comme ça on mange super tôt, on peut se coucher super tôt parce que c'est encore une grande journée et aujourd'hui on mange asiatique. Ça va être très très bon, moi j'adore. J'adore l'ascenseur. Re. Re. Voix. Got it. Oh. C'est un Voix. Non. Ha. Voix. Non, non, non. Attends, je vais agresser quand tu sais. Je m'appelle Isaac. Yeah. Oh, Isaac. Okay. You speak French. Parce qu'il n'y a pas de R. Je m'appelle Isaac. Ah oui, c'est coriandre. Ça, je peux te dire, c'est coriandre. Ça a l'air trop bon. I posted a video of my wedding. Oh là là.
Salut vlog, nouveau jour à Los Angeles. Ce matin on va faire du vélo électrique, j'adore, sur les hauteurs du coup du haut de Hollywood. On va sûrement revoir le Hollywood sign, j'ai trop, ça va être trop cool. Mais là en fait je dois ranger ma chambre d'hôtel parce qu'on va changer d'hôtel et ok, je vous montre. Attention, vous êtes prêts? Dada. Voilà, on est là-dessus. On est là-dessus. Il y a du boulot. Ah, quand je dis que je suis bordélique, c'est pas des blagues. Ah, ah non. It's the back here. Ok. Ah, ok. Yeah, I love you. Wow. Les monsieur et madame du vélo, ils nous ont donné des bandanas. Tu veux ça? J'adore. Waouh, on est très bien accueillis, dis donc. Waouh, vu qu'on fait 2 heures de balade, regardez, ils ont mis ça dans notre petit vélo, mais oh, je les adore. Wow. Thank you, I like it. Incredible, this is a really good bike. J'adore, je suis trop contente de faire ça. Clear you sign. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your... Le vélo s'est terminé, ça a duré super longtemps, genre on est resté jusqu'à genre 14h. On a pédalé toute la matinée. Là on vient d'arriver dans un nouvel hôtel, je vais vous montrer la chambre. Allez, tourne-toi. Voilà. Elle est très sympa. Très arty, quoi. Genre très sympa, très mignon. Et puis là, du coup, petite toilette, petite douche. Là, du coup, je vais me changer. Je vais me rhabiller comme j'étais ce matin avec mes petites trucs bleues. Parce que pour le vélo, la dame a dit que je pouvais pas, en fait, faire du vélo avec ma blouse tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai mis... j'ai mis un sweat et un pantalon. Et là, du coup, je m'habille et je rejoins les autres au rooftop. On va manger. Parce qu'il fait très fin. Et je vous montre ma nouvelle tenue quand même, que je fasse pas la star pour rien. J'ai une petite pince comme ça. Et puis, bah, c'est tout bleu turquoise. On aime bien cette couleur. Le rooftop est incroyable, voilà. Ça y est, on vient d'arriver au food tour. J'en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est une sorte de visite guidée et on va s'arrêter à quelques stops pour manger. Mais bon, je sais pas si du coup la visite guidée va vraiment parler que de nourriture ou pas. Ça, c'est encore une interrogation. Vegetarian. Ok. Our first tasting. Du coup, on commence avec des sandwichs et on a une expert foodie avec nous qui m'explique que le plus dur, c'est que quand on aime, il faut pas se resservir parce que du coup il y a d'autres restos après. Dans le après. Food tour, hein. Oui, dans le food tour. Ah, oui. Non, mais oui, mais je parle du food tour. Dans la vie, quand on aime, il faut pas se réserver. Il est super rigide. Dans la vie, quand on aime, il faut compter. Et donc là, du coup, on a le petit menu du food tour. Et les food tours sont faits sur mesure. C'est pas tout le temps le même. Je répète bien. On est dans le deuxième restaurant du coup et là on est dans quelque chose de plus mexicano. Ça c'est du eggplant fried et ça c'est le setup de la foodie qui va faire la photo. Regardez d'ailleurs. Là c'est parfait. Donc là du coup on est sur le dernier lieu et là on part au Japon manger des ramen. Le petit foot tour est terminé, on se retrouve in my bed, c'était vraiment très bon. Et j'ai les jambes, en fait c'est comme si mes cuisses étaient du béton. En fait avec le vélo de ce matin, même si c'était du vélo électrique, ça m'a déglingué les jambes. Genre vraiment mes cuisses, j'arrive même plus à marcher tellement j'ai mal, j'espère que demain ça va aller. En tout cas le vélo tour c'était incroyable. Le petit couple qui tient ça, le mec genre, mais le mec est tellement fun. Il avait un rire, en fait il a juste à rigoler et ça fait rire tout le monde. Je crois que c'est un des rires les plus drôles que j'ai jamais écouté. Hola le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée à Los Angeles. Et ce matin on prend le petit déjeuner au Grand Central Market, qui est un endroit où il y a beaucoup de restos en fait. Et on va manger ici, je vais vous montrer. Just caught in your love, money don't know. Join my bar, him to the boy,
dream. Hey, gorgeous. Wow. Hey, yeah. Hey, yeah. You pick my next song for me? But we have to go. I am so sad. Oh, you are. Yeah, you because go. It was amazing. Amazing. Okay, thank you so much. Ça filmait pas encore, oh, madame. J'attendais que vous nous offriez votre art finalement. Votre art d'être. Oui. On vient terminer la visite guidée et c'était trop chouette. Coffee time. Non, la foodie. Coffee time, c'est plus tard la foodie. Et c'était très intéressant, elle nous expliquait vraiment tout. Et il y avait toujours du storytelling autour des arts. Et c'était très sympa. Ouais, elle est bavarde la Jacob. Petite heure à tuer, du coup on fait du shopping, on est au Citadel Outlet, c'est un petit peu comme, vous savez, les villages de marque en France, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà. Ah, Los Angeles c'est un peu la ville des stars et là-bas je crois qu'il y en a une, vous l'avez reconnue? Non photo. Mais c'est Léa Star. On n'a pas du tout craqué, hein. Belle bête, hein. Thank you so much. Waouh. Oh, I'm so sorry. Waouh! On va regarder Barbie, cinéma de plein air sur un hôtel. C'est un hôtel, hein? Ouais, un rooftop d'hôtel. Du coup, j'ai mis gilet en conséquence. Ah, on a des casques et tout! Oh, wow. J'adore! Oh! Wow! Là, le vlog, on se retrouve pour une nouvelle journée et avant de commencer ce jour, je voulais vous montrer mes petites emplettes d'hier. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer hier, j'étais trop claquée, je me suis endormie direct. Donc, du coup, on commence avec ce pantalon Hollister, voilà, donc, qui est une taille basse, un peu baggy. J'ai pas de taille basse, du coup, très hâte d'essayer le mood, quoi. J'ai pas trop l'habitude de montrer un peu le bas de mon ventre, mais bon, il y a une première fois à tout. J'ai pris ces magnifiques chaussures de chez Steve Madden. Alors, je sais pas si vous voyez, mais oh, elles sont trop belles. Elles brillent, en fait, demi le feu. La nuit, quand il y a les éclairages et tout, c'est incroyable. Ça fait des petites paillettes de partout. Elles sont magnifiques. La dernière chose que j'ai pris pour moi, du coup, c'est ces baskets, pareil. À strass, j'adore. Là, on est vraiment dans un mood très strass. Je les adore. Et le dernier article, c'est des chaussures pour mon copain. Je pense pas que ça vous intéresse de voir ça. Donc voilà, c'est bon, je vais au... Enfin, on va manger. Je vais au petit-déj. Thank you. Wow. Breakfast is art. Je fais le drone. Wouh, drone. Breakfast drone. On va avoir un souvenir en voyant. Oui. Back to Venice. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dollar to a million. Très bel endroit. It's fire. Faites semblant s'il vous plaît de vous intéresser à moi. Il n'y a pas de soucis. On s'en fout, ça bosse dur. Laura, elle s'en fout. On est passionnés. Coffee shop. C'est le mot de passe. J'ai débloqué Laura. On va manger genre dans 30 minutes. On est retourné au skatepark avec Léa Marie. Comme ça, on peut voir les gens faire du skate pour le coucher du soleil. C'est trop sympa. Quel cheveux! Oh, tu l'es trop bien! Thank me, je jure! It's the booty like grocery! Oh, c'est beau Flandre! On dirait! On vient de rentrer à la chambre d'hôtel. Oh putain, il y a un bruit là, la lumière elle fait un bruit insupportable. Au début, je croyais que c'était mon micro qui était cassé avec la chute au vélo. Mais bref, du coup, là, on va redescendre. Le garçon de l'office de tourisme de Los Angeles qui nous a offert ses petits sweats. Trop mimi, trop cute. Je ne l'ai même pas présenté, mais en vrai, c'était le gars qui était tout le temps avec nous pendant tout le voyage. Adorable, genre vraiment, Eddie. Une crème, un mec trop sympa. Là, genre, c'est la dernière fois qu'on le voit parce qu'on part demain. Et du coup, il va nous rapporter des petits trucs mexicains qu'il veut nous faire goûter. Donc, genre, là, il est parti acheter ça. Et là, il va aller à notre hôtel pour nous les rapporter. Enfin, le mec est un amour, genre un amour. Du coup, bah, let's go. On va redescendre et on va aller manger ça. J'ai pas envie de partir. Il était trop cool ce voyage. J'ai trop aimé. Waouh. It's a Jamaica.
Have you ever had that? A maica? Non-alcoholic? There is in Mexico, no? Yeah. Because a friend of mine told me that there is a soft. Alors, c'est un mélange de cranberry et de raisin, de jus de raisin en fait. Cerise aussi. C'est de l'hibiscus en fait. Waouh. Je vais tester alors. Comment on dit tremper en anglais? Sorry, I'm French. Il va tous nous faire chier, regardez ce qu'il a fait. Petit message, il avait une photo qu'il a pris de nous pendant le voyage. Oh là là. Je viens d'entrer à la chambre et je reviens pas comment c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je sais pas si j'ai réussi à retransmettre toutes les émotions de tout ce qu'on a vécu ensemble, si j'ai réussi à sortir la caméra au bon moment et tout, mais... c'était vraiment un chouette voyage. Et j'ai déjà fait Los Angeles, mais pas comme ça. Et c'était fou. C'est vrai que le fait de le faire avec l'office de tourisme, ça permet de voir plein de choses différentes que les touristes font pas forcément. En même temps, on fait aussi des trucs touristiques, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, d'endroits, de restos et tout. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toute la liste de tous les endroits qu'on a fait, les restos et tout, si vous avez envie du coup de garder des refs. Mais c'était trop bien. Je suis toute émue. C'était un sacré séjour. Du coup, je pense que je vous fais des gros bisous ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas trop quoi vous dire, de me dire en commentaire ou quoi, si vous avez aimé, de me partager si c'est des activités genre que vous avez notées pour si jamais vous venez là un jour. Et voilà, je vous fais des bisous. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Des bisous. From LA. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. Sleep.